Hello, hello ma team gourmande, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la recette du pain cocotte. Cette recette est très simple. Il vous faut une cocotte ou à défaut un plat en verre qui passe au four, 300 g d'eau, 15 g à 20 g de levure fraîche, 500 à 520 g de farine et 2 cuillères à café de sel. Nous allons réaliser donc cette recette au Thermomix. On pèse dans un premier temps les 300 g d'eau, on y ajoute les 15 g de levure fraîche, puis la farine et enfin les 2 cuillères à café de sel. Cette recette est très simple et va vous donner un très bon pain un peu rustique. Alors on referme le couvercle, on enlève le gobelet doseur et on va pétrir 5 minutes. C'est parti! On obtient une belle pâte. Sur un plan fariné, on enlève le socle. On fait descendre les couteaux, on ramasse la pâte. On fait une belle boule. Très rapidement. On laisse reposer cette pâte une heure ou on la place dans un four à 60 degrés. On va inciser le dessus de la pâte, la badigeonner d'eau et de farine. C'est très simple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. N'oubliez pas également d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. Bisous ma team gourmande.